Alors j'en reviens à cette phrase, pape François Ier, qui m'énerve beaucoup, c'est un pape qui n'est pas très croyant, je trouve, et qui s'oppose à la parole de Dieu quand tu vas demander la paix et la fin de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle ne peut pas se terminer tant que la parole de Dieu n'a pas été tenue, déjà dans un premier temps. Et la parole de Dieu, c'est ça, c'est Matthieu 18,6, mais si quelqu'un a scandalisé un de ses petits-enfants qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Alors, une meule de moulin, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu précise que sa colère va tellement être grande que si on t'accroche une meule de moulin au cou et qu'on te jette au fond de l'océan, tu souffriras moins que quand tu t'en prends aux enfants qui croient en lui. D'accord? Et là, bon, c'est des centaines de milliers d'enfants qui sont disparus, centaines de milliers d'enfants qui sont victimes, peut-être même des réseaux de trafic d'organes, pire encore, de trafic sexuel de la Russie, d'adoption forcée, de lavage de cerveau, qui ont été éloignés de leur famille, qui rentrent chez eux après des mois et des mois. Qui scandalise plus les petits-enfants qui croient en Dieu que la Russie actuellement? Croyez-moi, ce qui attend la Russie, d'après la parole divine, c'est pire encore que se faire accrocher une de ces meules-là, et la taille, hein, autour du cou, et d'être jeté au fond de la mer. C'est la parole de Dieu. Si ça n'était pas le cas, Dieu n'existe pas. Donc la guerre ne se terminera pas tant que ce que la Russie aura vécu ne sera pas pire que ça. C'est tout. Et le pape qui ose prétendre qu'il peut appeler à la paix sans que la sanction qui est pire que la meule de moulin suspendue autour du cou n'est pas croyant.